Ça y est, on est parti sur lockdown, on s'est Allez, fait. c'est parti, allez. Merci, Tyler. Bon, c'est parti. On va Delta, donc on va aller voir les Epsilon. Epsilon, donc qu'ils ont deux maps d'avance pour cette finale. Voilà, on va pas le répéter 107 ans non plus, Qu'est-ce mademoiselle. que t'as fait là? On slash qui part d'offre, qui fait le premier tout sur Lyler, Nemo qu'enchaîne sur le terrain. Et Moi, Bobo toi. pareil, qui va côté mannequin, je pense qu'il va aller directement sur le drapeau. Pendant ce temps-là, Neko va faire le spawn kill sur le cathédrale, sur l'église. Ça y est, Bobo a pris le drapeau. Hop, et oui, purée, bien joué de la part de Fusax qui a fait pression. Et... Chaque drapeau, c'était tout de suite arrêté par Fusax. Fusax qui fait le dos. Ouais. Drapeau qui récupère un portrait. Voilà, Fusax. Il s'amuse, il y a déjà moins de chez les filles. Voilà. Fusax qui pousse, hein, retient un peu de spoon, c'est fait par Gatson. Sinon on a mangé, enfin j'ai mangé du Subway, elle a mangé un petit peu de Subway. Voilà. Donc Gatson qui a le drapeau et Bobo qui a le drapeau. Ouais. Les deux drapeaux sont obligés de sauter. Donc c'est parti, là ça va être la bataille pour récupérer le drapeau. C'est un super duel avec Bobo, c'est des défis importants. Qui fait le double voilà. Avec un cut sur Neko. Voilà, il reste plus que un Epsilon. Gatsum qui a le drapeau qui s'approche dangereusement et qui voilà. Drapeau mis par les... Les suprématies, merci. Oui. Tu peux le faire. J'ai du mal aussi, mais bon, c'est pas grave. Donc, moins de chez les Epsilon, les suprématies ouais. Qui poussent. Ouais, ils ont un peu de mal là, on voit qu'ils perdent le drapeau. Enfin, le drapeau est encore... Un couple à Bobo encore. Ouais. Qui a bien joué Neko, tout le long voilà. de ces matchs, hein. Neko qui prend le drapeau qui va monter top tout de suite. Donc on voit bien Fusax et Nemo qui font pendant ce temps là qui prennent des points. Très très bien joué. Ah, il ont été pris, ouais. Très bien joué. Ils ont été pris, ouais. Parce que écoutez, voilà, ils, malgré tout, ils ont pas réussi. Ouais. Ils ont pas réussi à le ramener. Des tu crois aussi. Qui reprend le drapeau. Tu captes Neko. Oui, désolé, je lis les commentaires. Ils sont très intéressants, il y en a qui veulent de moi. Genre lui. Bon alors, c'est pas. Bobo qui a pris le drapeau. Bobo qui a pris le drapeau, oui, tout à fait, tout à fait. Pendant que Ketam cache le drapeau adverse. Ouais. Donc là c'est encore le même jeu, c'est toujours pareil. Voilà, la fuine, on l'a tenté. De Vix encore une fois. Ouais. Qui fait le double. C'est parti, Neko qui va essayer de rattraper le drapeau. Enfin, qui va essayer d'aller chercher à nouveau le drapeau. Je pense qu'il va être posé. Ah, Bobo qui va essayer de récupérer. Oui. C'est aussi fait par d'ailleurs. Fusax le dernier. Et non. Voilà. C'est posé. Le drapeau est posé. Là, l'équipe elle s'entretue complètement. Fusax essaie de C'est parti. 2-0 pour ouais, déjà. Ouais. Il va pas nous donner trop de jeux pour qu'on attende 107 ans. Voilà. Un au top. Ça, fait 2-1. Ouais. Ça va. Tu peux dormir? Vas-y, va dormir. Ah, je prends la piqûre là en fait. D'accord. Et Le drapeau est pris par Fusax, ça y est, il passe mannequin. Mannequin, Bobo le suit par arrière, couvre ses arrières, tandis que Neko est resté sur le drapeau. Il retourne au top, pour gagner au niveau du tunnel. Bon. Ah. Il a perdu le drapeau. Ouais, il y avait encore une fouine du coup. Ouais, toujours les. Et voilà, le drapeau était pris. Retiens, Fusax qui va jouer de côté.
Devine qui tue le porteur du drapeau. Voilà, pareil. Le porteur du drapeau. Adverse. Et voilà, ils vont ramener peut-être. Non, voilà, il va être repris. Donc en fait, le spoon, la défense du spoon a mal été faite. Donc là, 2 secondes, voilà. Et l'autre, c'est un coup avec un coup pour la fin. Voilà, premier side fini, remporté par les spoons à fil. Les Silence, ils sont un peu fait déborder. Peut-être qu'ils rattraperont leur retard de 2 maps, quand même, parce que 2 maps, c'est pas rien, même si c'est en best of 9. On part du côté des suprématies, requin qui passe au middle, qui jette directement la grenade paralysante au top. Tirant sur la voiture. Voilà, c'est. Merci, tu pourras me. Merci. Donc requin qui pousse au niveau de la boutique, donc il essaye de changer les spoons. Point 2 chez les suprématies et Bobo qui prend le drapeau. Qui va du coup essayer de les stopper. De toute façon on le voit rien qu'à sa tête en vrai. Et en tête de fine. Non, ouais. Je taillerai jamais un de mes joueurs. D'autres games parmi un de mes joueurs. Donc il y a Bobo qui va essayer de percer, mais il y a du monde, il y a Zyler qui se fait plus par contre. Là, drapeau repris d'abord. On entend au-dessus que ça gueule, mais vraiment. Ouais, il y a du trash talk, hein, ça fait plaisir. De Vix 4 pour le drapeau qui va essayer de le poser. Qui a posé le drapeau. Il a posé le drapeau. On était flashés, excusez-nous. On se moque pas. Non, on ne se moque pas. Tyler qui fait son taf et qui protège le drapeau. Il y a un bac. Moins 3 chez les suprématies. Tout à fait, qui tisse. Et ça passe côté cathédrale. Je pense pas. Au Magnum, quand on se fait plus de temps. Bien, ce n'est pas un Colt. Un Colt, c'est un Magnum, bien joué. Et voilà, la kill. Il avait temporisé juste au bon moment. Un pot qui est perdu avec l'explosion de la voiture. Ramené, hein. Bien joué. Voilà. C'est Jack qui joue encore bien cette. J'adore ça. Ouais, j'adore ça. Il avait pris le drapeau ennemi. Enfin, le drapeau, du coup. Il y a Willax, je vois, qui est là tout à l'heure. Ouais, qui joue aussi. Je suis, merci à lui. Alors, on est reparti dans le match. Et Tyler qui se fait tuer par le pot, qui va, je pense, prendre le drapeau. Le drapeau est pris. Qui se fait tuer, ouais. Intercepté par Gibson. Mimi va sûrement prendre le relais. Voilà, bah, qui l'a pris. Voilà, pendant la Bobo qui fait un bon David travail. David qui va l'intercepter. Mais David sur la pied, voilà. Qui stoppe les drapeaux. Voilà. Oulala, moins 3 sur le coup de la pied. Et bon, Zyler, il fait un bon travail. Il garde son drapeau. Ouais, il fait une belle défense. Et voilà, Devix qui a le temps de revenir. Ah, Devix qui m'a fait il se fait tuer par Neko après avoir fait de belles actions. Mais il a fait son taf. Par Furax. Fusax, pardon. Du coup, c'est la même guerre à chaque fois. Hein. C'est le premier qui l'abandonne qui. Qui va se faire shooter. J'ai l'impression que requin reste quand même la spoon. Ça y est. Les deux drapeaux sont ramenés. En même temps. Devix récupère le drapeau. C'est compliqué, on voit que ça fait ça. Ça prend le drapeau, ça le perd, ça le reprend. Et ben au moins ça bouge. Ouais, ça bouge vraiment. Et voilà, c'est un beau match.
y a de la concurrence. Alors, c'est parce qu'il va passer, voilà. Et qui pose le deuxième drapeau. Drapeau qui a déjà pris le premier, hein. De toute façon, il prend, c'est lui qui a pris le premier, je pense. Oui, 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 c'est ça. Ouais, donc il pose les deux drapeaux. Il prend les drapeaux, il les ramène, il fait tout. Bien avec le bon. Voilà, il y a une bonne cover, il n'est pas tout seul. Mm. Ça, je crois que c'est vraiment une voilà, laissez-le, ne voilà. L'écoutez plus. Il n'est pas neutre. Donc là, ils ont spawn du coup niveau boutique. Mm-hmm. Donc, c'est passé par là-bas. Boutique, donc. Non. Non, non, mannequin. Quel homme qui n'a plus rien de plus neutre. Avec de la. Donc on fait un 2-1 pour les Epsilon. Best of 9. Ouais, best of 9, on est là pour l'autre. Donc, sachez que nous, on repart en 3. Merci à Le King et Willax qui suivent. Ouais, voilà. Ça nous fait plaisir en tout cas, hein, qu'il y ait du mouvement sur, sur la chatbox. Chatroulette, t'as dit hein, peut-être on est en train de regarder des hommes qui se masturbent. Pas du tout, pas du tout. N'oubliez pas, on est là pour répondre à tous messages, donc les messages ils sont là. Donc notre PSN c'est Origin Web TV. Donc ouais, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Voilà, et même sur le chat, on y répond, on a le temps. Batou, oui, Batou, supérieur à Kitties, bien sûr. Mais... Ouais. Allez, on entame la recherche sur carbone. En disant ça, j'ai eu un de ses regards. Désolé. Mais je rigole, c'est toi la meilleure. Hein? Ouais. Donc on repart, on va directement... Quel côté unique? Unique, sans... lamentablement. Va sur PMC. Donc on est parti. On est du côté de Ventilan. Qui ont déjà pas mal percé. La bombe est par contre perdue. Donc 2-1. 2-1 pour les Epsilon. On rappelle. Donc là, 3. Voilà, on 2. Est 3 contre 3 les Epsilon contre 2 suprématies. En sachant que c'est quand même Requin et Devix qui ont, qui, je pense, ont le niveau pour rattraper ce petit retard. Mmh. Ouais, Devix qui bouge pas mal, hein, qui bouge pas mal avec ça. Voilà, il récupère la bombe, Fusax. Mais moi, j'essaie de percer Needle. Bobo qui vient en support. Il l'a vu, voilà, il a tué. Il a plus que Devix, du coup. Voilà. Et de vite. Qui tombe sous les balles de Fusax. Très bien joué de sa part. Donc on rappelle qu'il y a 2-1. Nicolas n'étant pas là, il va tout de suite remettre les scores tout à l'heure en place. Ne vous inquiétez pas. Donc on va aller on va changer d'équipe. Voilà. Pour aller dans la milice africaine. Bien joué. Donc Requin qui fait un rush mid. Devix qui a rushé A. Ouais. Et du coup bah qui va faire un petit back en fait. Il leur fait une petite fin. Requin qui cover le middle et qui stunt. Devix qui pose. Donc Requin est dans rouge. Tu l'as fait comment? Requin, je vais te l'appeler comme ça, c'est vrai. Requin. Okay. Devix qui fout un headshot à Neko. On ne désamorce pas sa bombe. Ouais, non. Fusax qui fuse Ailer. Devix qui est weak. 2 contre 3. 2 contre 3. Avec la bombe posée. Oh, quel beau cut. Fight de cut. On va voir, c'est critique. Et voilà. Suprématie. Ah, qui égalise. Voilà, qui égalise. Willax nous demande de dédicacer Authentix. Il en a besoin. Non, c'est-à-dire ce que ça veut dire. Authentix. Dédicace à toi.
Donc ça y est, on se retrouve à égalité. Ouais, on va changer encore d'équipe. On va aller à TMC. Biscuit qui nous rejoint. Bobo qui a pris la bombe. Bobo, hop. Qui stunt la bombe aller. Ouais, voilà. Fusax qui fait le premier kill. Les pions peut-être qu'ils se rebellent un peu. Ouais, on va pas non plus. Ils vont pas non plus perdre leur avantage. Requin qui fait le double. Requin qui a pris d'ailleurs une SMG, c'est rare. Ouais, c'est vrai qu'alors qu'il a qu'il était ACR tout au long. Mais carbone c'est beaucoup de corps à corps, donc Requin qui fait le Requin qui fait le 3-10 et voilà, qui fait le full de Requin. Donc un très très bien joué de sa part. Du coup ça monte à 2-1. Et oui, ils ne sont que 3 à parler. N'hésitez pas à venir dans le chat. Ça prend vraiment 2 secondes. Vous n'avez pas besoin de confirmer votre inscription. Donc on se retrouve du côté des suprématiques qui sont carrément stunt vers la bombe A. Ouais, Neko qui font un gros headshot. Ouais, c'est stunt tout seul sur la bombe A. Qui fout un gros headshot. Non, c'est pas mal. Ah voilà, Gaston qui regarde le petit trou. Au top. Ouais, dans les tons. Pute, on peut le dire. Génial, ouais, très fin. De toute façon, depuis tout à l'heure, je sors des... Requin qui tue plus. Encore un Epsilon, donc... Requin qui est toujours avec la bombe et qui, je pense, va essayer de la poser B, mais qui est stoppé par Fizak. Gaston, le banc. On rappelle aussi le score, c'est 2-1. Nicolas n'étant pas là, nous ne pouvons pas le mettre à jour au score. 2-1 pour les Epsilon. Donc on est en 2 contre 1. Donc Bobo qui se retrouve tout seul face à Getsum et Devix. Devix qui bouge pas mal, hein, qui cherche vraiment la bête. Là, il a trouvé. La bombe qui est reprise par Getsum. Ouais, ils vont la poser sur un. Là, ça pose plus de problème. On va faire bien. Il n'est pas là. Getsum qui a Pia. Ouais, Pia. C'est rare. Ouais, c'est rare, mais bon. Pourquoi pas. Je pense peut-être rester jusqu'à la fin de chaque manche. Ouais, il le fait, la preuve. Oui, il le fait. Donc, il mérite. Devix qui se fait tuer par Bobo. Getsum qui le weak. Et voilà. Le dernier kill. Qui avait déjà commencé à travers le tissu, le ouais. Tissu la bâche. La bâche. C'est plutôt une bâche, ouais. Plutôt qu'un tissu. Oui, mais je dis les mots qui viennent. Ouais. Hein. Toi, t'en as pas, moi, je vais l'en trouver. J'avoue. Switching sides. Donc, 3-1 pour les suprématies. On va changer encore, hein. On va changer d'équipe, on va aller au côté PMC. C'est attaque. Pour voir si les Epsilon se rebellent. Merci à l'ami de Nicolas qui le remplace pendant un moment. Epsilon Fusak qui fait le kill sur Devix. Requin qui tue Bobo à la greu. Trop de GT. Neko qui prend vraiment du recul, qui veut pas trop avancer. Ouais, il surveille le bas. À 3 en même temps, à 3-1, les Epsilon perdent 3-1. Donc c'est vrai que là, il y a vraiment de la tension. En plus, ils se retrouvent à 2 contre 3, donc c'est assez intense. Ils avec Neko qui est encerclé. Ouais. Nemo qui tente d'aller dans le coin gauche alors que le requin y était. Je pense qu'ils ont... Ils ont compris les suprématistes que voulaient faire les Epsilon, vraiment rester en retrait pour les attendre. Je pense qu'ils vont les attendre autour et... Oui, de toute façon, ils ont leur pause, donc ouais. Autant les garder sans prendre de risques. Je pense qu'ils n'auraient pas dû faire ça les Epsilon. Ils ont les suprématistes ont eu le temps de bien se poser, bien se mettre en place. Puis il y a toujours ce teamplay qui fonctionne très bien chez les suprématistes, donc c'est un peu dangereux pour les Epsilon.
Neko qui reste toujours en retrait du côté middle. Nemo qui essaye de tuer Requin en fait, qu'il a repéré tout à l'heure. Le Requin tout simplement est parti. Et il se prendra un gros bail. Ouais, voilà, parce que depuis tout à l'heure il nous cherche, voilà. Il a perdu son temps en cherchant. Mais il vaut mieux être prudent quand même à ce score-là de la map. Surtout avec 3 contre 2. Il vaut mieux être prudent. Donc il y a Nemo qui va tenter doucement de poser sur B, je pense. À moins qu'il passe le tour. Je pense que B est bien sur B quand même. À 30 secondes de la fin, c'est chaud quoi. Si c'est bien cover. Voilà, bien joué Nemo. C'est le frag Zyler au middle. Voilà, par contre. Oui, pardon. Oh là là. Neko qui va essayer. Ouais, 10 secondes de la fin. Non, il ne pourra pas faire les deux. À moins qu'ils se mettent les uns en face des autres. Voilà, Neko qui arrête de jouer, qui a perdu la main. Ouais, de toute façon, ouais. On se retrouve à 2-2. Nicolas, si tu peux changer les scores pour faire visibilité, merci. Du coup, on passe en CTS Arcade. Voilà, t'es là. Donc voilà, du coup, les suprématiques ont rattrapé le retard qu'ils avaient. Du coup, on se retrouve à 2-2 partout. Mm-hmm. À 2 partout. Ouais. Du coup, bah, ils ont rattrapé, ils étaient en danger et finalement, ils se rattrapent, les suprématiques rattrapent. Bah, ouais. Ouais, je vois ça. Tu remets. D'accord. Donc, le temps que ça se remette en place, on va vous commencer. Donc, nous, on va se mettre côté attaque. Enfin, attaque. Ouais. Bon. On va se mettre côté split. En capture de drapeau, tout le monde attaque. Ouais. Mais bon. Donc là, on est en capture de drapeau sur Arcaden. Donc on est du côté Spetnaz avec les suprématies. Donc on est du côté des suprématies. On est du côté des suprématies, allô. Bon, mais on va aller du côté des SAS, je pense, puisque... Bon. Donc on retourne sur les pylônes, là, toujours au top. Non, on retourne du côté des suprématies. Ouais, c'est bon. Alors, c'est parti, Rekin. Donc nous sommes du côté des suprématies. Ouais. On va y arriver. C'est pas grave, c'est pas grave. Rekin qui garde vraiment le drapeau. Ouais. Un petit camp flag. Flag. Oui, tu vas y arriver. Au bas. C'est bon. C'est... Oui, donc le score n'est pas à jour, merci. Ça fait au moins la sixième personne qui vient nous voir. C'est 2-2 pour... 2-2 pour... Ouais, voilà. 2-2 pour, ouais. pour les équipes. Donc là, il y a moins 2 chez les Epsilon et moins 2... moins 3 chez les Epsilon. Requin qui garde toujours son drapeau. Exact. Il va pas changer. Tyler qui a pris le drapeau. Qui est stun. Qui passe les gars. Ouais, qui est bien sauveur quand voilà. même. Et bon, Devix qui prend le drapeau, voilà. Et qui pose. 1-0 pour le suprématie. Voilà. Ça y est, Bobo Neko qui prend quand même le flag. Il va peut-être se faire arrêter par Zyler. Ouais, voilà. Yo, non, bien. Zax, ça vient de l'air, mais ça arrive pas Requin. Continue. Ketum pendant ce parade. 2-2. Donc, voilà. Donc, les deux qui sauve le drapeau. Ketum qui va du coup aller le poser avec la cover de Requin. Tyler qui capte le top.
5, n'oublions pas, il faut 5 maps. Moins de chez les pylônes et le drapeau posé. Voilà. Donc 2-0 pour les suprématies. Gros relais de Devix. Voilà. Et là, les pylônes qui sont débordés, Getsum qui fait le double. Donc, on me dit que ça crache talk alors. Bah, ça crache bien en haut. Même si d'arrêter la guerre de Sankov sur le chat, c'est pas du tout le moment de parler de ça. On est dans un stream, on voit un beau match. Et Devix qui a mis le troisième drapeau, voilà, avec un super volet. Zyler qui couvre le drapeau et qui fait le double, voilà, au niveau de la fontaine. Très bien joué. On voit qui va rusher encore. Ouais, on voit que depuis le début de la match, ils ont vraiment bien pris en main la manette PS3. Voilà. Ils ont vraiment pris de l'assurance. Devix qui, de toute façon, qui est toujours là pour rusher. Ah, moins deux quand même chez les suprématies. Neko qui a pris le drapeau, Getsum qui va. Qui va sûrement arrêter. Eh non. Ah non. Voilà. Aucun qui meurt. Moins deux chez voilà. les suprématies. Donc, enfin. Valeur qui a fait la fouille. Enfin, il est. Voilà, les pylônes marquent un point. Les pylônes marquent un point. Ils sauvent l'honneur pour cette manche. Les femmes qui surveillent pour le relais. Ils sont quand même trois pylônes à attaquer le drapeau. Donc, Gatsum, il. Moins deux chez les suprématies, le drapeau est pris. Gatsum qui l'arrête. Donc, Devix coupe le middle. Devix qui rattrape le drapeau. Gatsum qui pousse. On voit que le team play est bien là puisque dès que Requin est mort, il est parti ouvrir le bac. Devix qui prend le drapeau sous la couverture de Zyler. À 30 secondes de la fin, ils vont peut-être mettre le quatrième drapeau. Enfin, il se fait sauter quand même. Le drapeau est ramené. Un relais peut-être. Un relais. Non, prise de drapeau. Gatsum, ouais, qui se fait arrêter par Fuzak. Stunt. Il vient rouge, ouais. Devix qui fait un double. Ouais, ils s'acharnent sur eux. Ah oui, ils veulent pas laisser le quatrième drapeau, hein, ce serait. Trop dangereux à récupérer. Donc premier side gagné par les suprématies. On va se mettre du côté des pylônes. Du coup, on prend un peu de retard et font quand même le double. Ils tentent de pousser. Neko qui s'est arrêté directement au niveau de la canette. Ça tient. Nemo qui le venge. On voit que ça pousse des deux côtés. Ouais. Les pylônes, là, ils sont un peu énervés. Donc, il y a quand même un gros lot à gagner à la fin. Donc, il y a moyen de se battre. Ouais, il est encore au top. Hein. Donc, qui essaye de pousser Zyler qui fait le double. Fuzax, il coupe son drapeau de l'attaque de Zyler. Fuzax, il a pris le top, on l'a déjà vu tout à l'heure. Fuzax, il vire vraiment le top. Les pylônes sont vachement en retrait. Ouais, vachement en retrait, il reste un peu au middle, mais. Ben voilà, Neko, voilà. Arrêté par Devix. Bon, qui est encore là, qui prend le drapeau, qui se fait stun par ceux qui ont spoon. Voilà, Devix, qui prend toutes les balles du. Du ping. Des pylônes. Ouais, les pylônes se font vachement stopper quand même. C'est la défense, mais ils tentent quand même l'attaque par Devix. Un toucher des pylônes. Neko du coup qui revient un peu en def. Un fumier sur le tag. Sur le drapeau. Moins deux encore chez les pylônes. Une bonne défense des suppositions. Ah, voilà. Peut-être le drapeau qui va être repris par les suprématies.
Et Moki fait le double au middle. Et il est offert. Il a pris sous les tirs de Nemo. L'Espagne a marqué 2-0 contre la France. Donc pour les amateurs de foot. Voilà, pour les amateurs de foot. Donc assez compliqué. La France. La France qui perd contre l'Espagne et les équipes africaines. Du coup les pylônes qui font le double sur les suprématies, du coup ils poussent à 2 minutes de la fin marqué de drapeau pour. Les pylônes qui essayent de pousser, qui sont arrêtés par requin. Les mots qui filent de vite quand même. Tout ça, tu avais gagné 3-0 contre les suprématies dans les phases cool, ouais. Du coup c'est un double Getson qui fait un double qui fait 3 pips. Plus la merde. Ça trash talk, ouais. Ouais, c'est bon, c'est trash talk. On les entend ici ouais, alors qu'ils sont au-dessus, donc les petits hommes qui sont carrément transférés à une minute de la fin, marquer plusieurs drapeaux, ça va être compliqué. Ouais, les... Et ils te disent qu'essayent même de le prendre. Je crois que les suprématies veulent les enfoncer encore plus. Hein. Ils veulent affirmer leur victoire après le retard qu'ils ont rattrapé. Hein. Alors, monte à 3-2, ils ont montré 3 victoires d'affilée. Ouais. Donc, un beau match de la part des suprématies qui nous offrent de belles attaques et sur cette map une bonne défense. Les Epsilon qui baissent pas totalement les bras, qui poussent jusqu'à prendre le drapeau. Et c'est pas requin, les mots qui vengent. C'est ça que je vais essayer, voilà, il va se faire arrêter un peu. Hein. Peut-être pas. Voilà. Il s'est arrêté quand même par Zyler. Donc ils sont bien, positionnés. De la fin, ça va être compliqué. Ils vont peut-être sauver l'honneur encore. Bobo qui fait encore le double, hein, qui nous verra à chaque fois, il fait de belles actions. C'est bon, de belles actions, mais par derrière il y a toujours quelques soucis. Et voilà. Alors, duel. Voilà, on arrive à. 3-2, score final. 3-2 pour les suprématies. Enfin, final. Score final, ouais. Voilà. Donc la prochaine map c'est SNT sur Underground. C'est pas ça. J'ai un secret. Donc bon, Underground en SND. Donc Underground qu'on a vu tout à l'heure avec les Endline. C'est un bon match aussi là. Donc les suprématies qui se sont déjà échauffées sur cette map. Bon c'est parti, on va aller côté attaque. Côté. Patnaz. Non, je suis même pas sûr qui. Ouais. Hop, et non. C'est pas ça. Donc on va aller côté SAS. Comme j'ai dit. Non, tu n'as pas du tout dit ça, ce n'est pas grave. Côté SAS unique. Ok, ouais, la partie qui est. D'accord, il n'y a personne dans le. Qui a recommencé. Ouais. Nous étions tout seuls dans les SAS. Ouais. On était je crois qu'ils voulaient qu'on joue en fait. Les suprématies qui ne donnent même pas la peine de rejoindre la partie. Bon, je sais pas ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent On va voir. Sur le c'est le même, c'est la même connexion, mais bon.
c'est fatigué. Et les suprématies qu'on mis 3 maps d'affilée. On est parti. On est parti. Ouais. Donc on est parti pour SND sur Underground. Ouais, côté attaque, donc côté SAS cette fois-ci. Je ne me trompe pas. C'est parti. Ça y est, les chumassis voilà. Qu'on rejoint. Voilà. Parti, donc on va commencer à aller juste côté A, mais... Oh. Je sais pas, la grève a dû se tromper l'équipe. Même pas. Bon bah pour la troisième fois on recommence le match. On va peut-être y arriver à force à la faire cette année. Ouais. Allez, avec toi. On a un donut à côté de nous. Ouais, on a un donut. On a monsieur 007 avec nous, alias Gigikan. Aquali. Aquali, oui. Il est passé sous tous les noms, mais des donuts à chaque fois. Ah, souvenez-vous, la Nick 1. Ouais, ah, on y avait pas. Mais il a quand même fait le donut. Ouais, il a pas besoin de nous pour le faire. Donc peut-être qu'on va enfin pouvoir partir sur notre perche. Je pense pas, je pense qu'ils ont pas envie. Ils ont pas envie, je pense qu'ils sont en train de se battre en fait. Ils ont tellement ouais. Trash talk qu'ils se battent. Il y a un petit trash talk donc apparemment, de la part du donut. Ils sont tous occupés. Je sais pas, ils sont partis faire une pause ou... Je sais pas du tout. Un petit caca de la part des pilotes. Ouais. Je pense qu'ils sont en train de changer de t-shirt. Ils n'en peuvent plus là. Je pense qu'ils changent de t-shirt et de costume. Ils sont bien à vous. Allez, c'est parti, on est 5 pour le commentaire. Ça va tailler. Donc Guillaume, Flo et Piscou qui sont avec nous. On part pour la SMD. C'est vrai que tout le monde te connaît sous le nom de Biscouille, donc je pense qu'on va pas dire Yaya. Moi tu dis n'importe quoi, je suis une star, tout le monde me connaît. Ça va les filles? Regarde, tu passes comme dans la porte. Allez, c'est parti. Peut-être. On sait pas encore. Hein. Ouais. On a tellement vu. Relancer. D'ailleurs, il y a un temps de joueurs, je sais pas ce qui se passe encore. Moi aussi, un petit doublé, je crie. D'ailleurs, c'est sur Underground que j'ai fait mon dilemme. Ça y est, on est parti. Requin qui prend la bombe et qui. Requin qui prend la bombe et qui. Va s'en va. Merci. Il adopte la même technique que tout à l'heure, du coup. Ouais, de toute façon, t'as pas trop de choix. Ouais. Par contre, je vois personne prendre le middle. Si, si, il y avait Getsum qui s'en occupait. Devix qui fait le premier kill sur Bobo. Enfin, il prend plus l'arrière que le middle. Quelqu'un qui tombe sous les balles de revenant. Devix qui pose. Getsum qui cover encore le back. Excusez-moi, j'ai tremblé Grimache. Grimache, merci, excuse-moi. Donc la bombe posée, Devix qui tue Nemo, qui se fait tuer par Neko. Ah, Getsum qui a vu quelqu'un faire le back.
Yep, voilà, tu fais le kill. Tac, t'es tué. Il y a Sam du coup qui se rapproche de la bombe. Et voilà, le kill, non. Mais quoi, ouais. Il se sauve. Est-ce que t'as... Très bien joué, oh, et voilà. Des avantages. Voilà, bien joué. Gueule, là, pas... ouais. On les entend de là-haut. Tiens, qui. Comme avec des baguettes, tu l'aurais mis celle-là. Merci pour la traduction. Le petit chinois. Donc Nico qui est kudo, c'est ça. Voilà. Le japonais. C'est censé être un pic ou. Ouais. Ok. Donc on va retourner. On change d'équipe. Ouais. Tu me mets vraiment une manette pourrie. Désolé. Bon, on a réussi. Donc les Epsilon qu'on pris place. Qui ont pris place sur oui. A. David qui arrête Neko quand même. Et qui se fait tuer par Kotak. Kotien qui tue Bobo. Fusax qui se rapproche du camion alors qu'il est en feu. Donc je tombe en fait. Bon. Et c'est parti, voilà, requin qui tombe, et de fusac qui tombe sur les pattes de requin. Okay. Un contre deux, requin, get some contre Nemo. Nemo bon. Qui est tout seul avec sa petite bombe. Sa petite bombe, oui. Toujours pas posée. Le qui sur le requin. Il reste plus qu'un contre un, get some contre Nemo. Et voilà. Ça, qui fait la différence, voilà, qui a pris bien par derrière, qui est resté au spawn, qui vient par derrière sans jeu de mots, bien sûr. Pense pas ça vraiment. On l'a tous pensé, non, non, et tout le monde était défoncé. On perd le on va changer d'équipe, on va aller côté SAS. Okay. Côté des suprématies, requin qui prend toujours la bombe pour cette attaque sur ah, Ketsam qui a tué Bobo qui a rushé middle. Ouais, lâche. On a entendu que le trash talk. Allez, Tylan pousse un peu sur A. Quelqu'un qui a tout par quelqu'un derrière le camion qui l'attend. Il a réussi à partir, mais voilà, Delix, Neko, qui était derrière le camion, il a été de s'enfuir, mais... Du coup, requin, bah, pose tranquille, quoi, avec la cover de Get Some et Delix. On entend une nique... Lequel le kill. Le kill de la fin. Tu fais la fin. On va changer d'équipe. Ouais, on change toujours d'équipe, on a le cul. On est fatigué, c'est parti. Oui. Allez, on est parti, personne voilà, ne prend la bombe. Cette même technique de passer sur A. Personne ne veut la bombe. Voilà, les filles partent en bombe. Voilà, c'est un style de jeu. Voilà. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils veulent. C'est bon. Bombe est prise quand même. Neko qui a été intelligent, qui a récupéré la bombe. Alors que Fusak s'est fait tuer par requin. Ils essayent de prendre position sur A. Neko qui fait le pack avec la bombe. Ouais, voilà, on sait pas très bien, on comprend pas très bien. La bombe qui doit être normalement près de du site bombe. Mais. Il y a nos trois spectateurs qui se foutent de notre gueule. Mais bon, c'est David, il est camion blanc. Voilà. C'est super, merci Flo. Mais toujours au bac avec sa bombe. Quand même qui tue David. Oui. Il y a un C à la fin. La cigale. Neko qui se rapproche enfin de A. Ou pas. Il a fait le pas, quoi. Il a fait 2 mètres.
Ça y est, il s'est rapproché, il a des... Il a dépassé la bombe. Ouais. On ne comprend plus ce que Neko fait, on l'a perdu. Il y a eu Neko qui s'en va, voilà. Alors que... Ouais, il aurait pu faire le double, il s'est arrêté, ouais. Vraiment. C'est vraiment... Fail de Neko, qui l'a vu encore une fois. Et Neko avec la bombe, voilà. Au spawn adverse. Avec, il reste plus que 35 secondes. Et il est dernier. Un contre un. Get Slam contre Neko. Si tu fais pas le frag là, c'est vraiment. Ouais, il y aura un gros avantage bête, pour ouais. Les problèmes de futur au bout de je sais pas combien d'heures de stream. Ouais, ça c'est assez long. C'est au début à la fin. Voilà. Au milieu ça passe. Au début on était chaud, hein. Au début. Ouais, ça va. Là, on... Ouais, donc j'espère que vous appréciez quand même. Il n'y a plus aucun commentaire. Ouais. Alors essayez de nous parler. Voilà. Il a bien pris pareil, encore une fois. Comme par l'arrière. Un beau duel avec un petit capsule. Une bonne faciale. Ouais. Donc les suprématiques. À 3-1. On va encore changer d'équipe. C'est parce qu'on aime ça. Oh oui, on aime ça. Allez, c'est parti. Ouais, ça devient vraiment hard. Donc là, ils envoient du blanc partout, des plages. Ce stream, c'est bon, il est passé moins de 18 en un coup. Voilà. Tous les mineurs sont priés de quitter le stream. Non, 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 on dit pas ça. D'accord, bon. Ouais. Pour les petits, il est presque 23h. Voilà, Zyler qui fait vraiment le file. Ouais, d'ailleurs qui essuie un peu, tu verras qu'il fait. Fail, c'est pareil. On devait qu'il y a la bombe qui tempo un peu, qui essaie de faire le kill. De chez les Epsilon là. Voilà. Ah, ils sont chauds. Donc, c'est pas trop. Qu'attends avec la bombe. Ouais. Oh, Zyler qui fait. Oui. On le voit, Zyler, ouais. À une minute, ça y est, Devix l'a vu. Ah, Devix l'a tué. Ouais, tu ne dis pas, tu dis qu'il l'a vu. Ça y est, Devix qui pose du coup. Neko qui le tue juste avant. Yepsam. Donc 4-1 pour les suprématies. Voilà. Et donc 4-2 au score. Tout à fait. Au score total. Voilà, 4-2. Prochaine map, donc, une CTF Dome. Appuyons sur Select dans le streamer. Voilà, voilà. Regardez donc Tyler. Tyler qui fait un beau 0-5. Voilà. Avec deux assistances quand même. Oui, il a, oui, il a participé, ouais, à la victoire quand même. Hein. Donc, ouais. Donc les Epsilon n'ont encore mis aucune map depuis le début de ce match. Les maps qui ont gagné, c'était en grâce à leur finale du Winner Bracket. Non, dernière map. Peut-être. D'accord. Donc c'est parti. Donc, on est parti sur la CTF Dome, donc là... Les suprématies qui ont leur bonne ligne de défense, ça va être chaud pour les Epsilon. On va aller suivre les Epsilon. Voilà, on commence les Epsilon. Donc. Côté Dom. Ouais, on va regarder Neko. C'est fatigué. Ouais. On est quand même content, hein, de commenter. Ouais, même voilà. Si on en perd, on perd un commentateur, mais... Moins 2 chez les Epsilon. C'est parti. Neko qui pousse quand même. Oh là là. On entend du Guigui qui nous dit, oh oui, il pousse.
Oula. Oh oui. On a que 40 ouais. dégâts. Maspou il pédale pas assez vite. Maspou, oh là là, Bobo qui pèle deux balles sur, ouais. sur côté blue. Oh quoi? Côté blue, tu nous fais du de l'anglais, c'est pas grave. Mais du coup, il y avait moins 3 chez les synergies. Ils ont même pas pris l'avantage du coup. Tout à fait, les synergies qui viennent s'inviter dans ce match. Les synergies qui viennent s'inviter dans cette LAN. On était. C'est Smoke. C'est Smoke, les synergies, voilà. C'est parti. Je te laisse le Isaac a essayé de prendre le drapeau. Final qu'on prend avec humour, hein, bien sûr, ne le prenez pas mal. On se lâche un peu après cette pression. Là, il y a du gros fail là. Ouais. Ah, ça y est, les suprématies qui ont pris le drapeau. Quand même, sur les suprématies. Et voilà, drapeau récupéré. 0-0 à 2 minutes 48. Sous une... Voilà les pions qui ont pris de la peau, attention. Ils sont direct arrêtés par des ouais. X. C'est parti. Voilà, ils sont bien recranchés dans le dame. Ouais, ils galèrent au dôme là. Voilà, moins 2 chez les attaquants suprématiques. Ah, les blancs, ils annoncent vraiment qu'on est fatigué là. Putain, je te jure. Hein. Ah oui, mais. Excusez-moi, ça. Donc, on est Epsilon qui essaie quand même de pousser, qui sont arrêtés par le double de Devix. Devix toujours présent. Retiens qui prend le drapeau. Nemo qui galère à tuer. Okay. Ouais. Ah, il va prendre le top Nemo, peut-être l'avoir. Il passe les middle déjà depuis longtemps. Oui, il est parti depuis longtemps en fait. Voilà. Il s'est tué. Nemo qui. Moins 2 du coup chez les suprématistes. Le drapeau qui est toujours pas ramené, hein, et qui est vachement proche quand même du drapeau à terre. Au middle, niveau tank. Et tous les mots prennent les skins. Voilà, avec le drapeau qui a été récupéré. Il est à faire tuer, voilà. Il est à se faire tuer. Drapeau. Drapeau qui est bientôt à poser. Neko qui fait la fuine, le petit. Fail de Neko, pardon. Et le drapeau est posé par Getsan. Voilà. Encore une map. Ouais, dominé pour la première manche par les... Merci. et Bobo qui fait toujours ses poules. Je te tiens le micro parce que tu as mal. Ouais. Au revoir. Je le porte. Donc bon, les Epsilon qui essayent de passer à 2 sur... le côté bleu. Ils essaient de s'entretuer, je pense. Getsum qui fait le double. Nemo qui venge ses partenaires, qui prend le drapeau. Et mais qui a plus que 8 secondes seconde pour le poser. Voilà. Zylor, c'est fini. Victoire. Voilà. C'est parti. Changement de côté. 1-0 pour les suprématies. Peut-être du coup, qui remporte cette map, ouais. Bah, c'est fini. La victoire. C'est victoire. Donc 1 000 € pour les suprématies. Peut-être à la fin de cette manche, on va changer d'équipe. Ah. Et voir les suprématies. Ouais, bah, donc on va aller du côté de. Qui peut-être remporteront ce match. Ouais. Moins 2 chez les suprématies.
oulala, moins 3 chez les Epsilon, avec seulement Nemo qui attaque. Nemo qui se retrouve tout seul près du dôme. Ouais, et du coup, qui prend le drapeau au lieu de faire la Fouine. Enemy voilà, il se fait choper par de Vix. Zyler qui a fait la Fouine, qui va prendre le drapeau. Voilà. Il y a les covers, Requin et Get un petit cover, le middle. Le drapeau qui est perdu. Voilà, le drapeau qui est perdu. Qui a posé sûrement. Et non, qui est abandonné. Voilà, il y a Tom qui le récupère. Et qui a fait encore une fois la fin. Attends, il a qui a vu le drapeau, voilà. Il l'a vu. Et c'est parti, et voilà, de Vix qui reprend le drapeau. Divix toujours là, toujours présent. On l'a vu de toute la LAN, il était toujours là pour récupérer le drapeau. Il y en a une trentaine. Divix qui a fait une bonne LAN, hein. Ouais, comme ouais, Bobo hein, d'ailleurs, qui est Epsilon. Guillaume qui nous fait un petit bof bof avec sa main. Et Epsilon compris le drapeau. Donc on fait à égalité sur cette main pour le moment. Mm. Avec 3 minutes pour poser le drapeau du côté sud pour remporter double des Epsilon. Requin du coup qui reste au dôme et qui tient la défense. Ouais, il succombe à l'attaque de Bobo, moins 2 chez les Supremacy. Getson voilà. Sans drap. Voilà, mais bon. C'est Davis qui l'arrête. Encore une fois. Et Neko le reprend, donc il y a Getson 2. Et voilà, ça y est, c'est parti, la petite camp. Oh, bien. Getson, ce qu'il est, vraiment ce qu'il a fait, c'était impressionnant. Fusax qui était pas content, il lui met un petit cut. Bon, deux bits, 6 pouces bleus. Un jump à Nemo, mais il se fait contrer. Il reste 2 minutes pour mettre voilà, une map. Voilà, Zyler get some et des bits qui étaient des pour récupérer l'avantage hein, quand même. Un peu perdu. Là, juste à côté du drapeau des Epsilon, c'est bête. 2, 3, 1. Ouais, mais les Epsilon font une belle défense. Des Supremacy. Une bonne défense. Yetsam, qui a encore fait la fouine, pardon. Le drapeau. Qui va essayer de faire un middle. Mais bon, ils sont en bleu, voilà, il fait le premier frag. Il fait le kill, hein. Voilà. Ils sont rentrés déjà tous dans le dôme. Il le met là. Voilà. Ouais. Voilà, il l'a et mis. Voilà, il l'a mis. Il y a du trash talk, on les entend. Voilà, il reste plus qu'une minute pour mettre un drapeau du côté des Epsilon. Là, je pense que les Supremacy vont rester en def, ce serait le meilleur truc à faire. Oh là là, moins 3 chez les Supremacy. Volcan qui fait le. Voilà. Essaye d'attendre le spoon. Je crois là il essaie de sauver. Ah voilà, le spoon est arrivé. Get some qui est requin. Voilà. C'est bien récupéré. Requin qui a bien temporisé. Voilà, ils sont tous à l'intérieur. Ils sont là, tous voilà. Dans le dôme. La voiture. La cible là, ça peut tremper. Ils ont réussi à prendre le drapeau. Ils le reprennent. Voilà. Voilà, moins 3 chez les Epsilon. Voilà, bah un full. Voilà, de la part des Supremacy. Vix, il nous a montré le meilleur de lui-même, encore une fois. De Vix et Requin, et puis Getsum aussi qui a. Ouais, ouais, ils ont tous vraiment bien joué. Getsum qui. Qui s'acharne, voilà. Ouais, il s'acharne. Des bons scores, voilà. Donc, la finale qui vient d'être gagnée par les Supremacy. Voilà. C'est un délire. Bon, on est que 5 en bas. Avec un petit whisky qui dort.
Bon, Biscuit, pour te tenir au courant, les suprématies ont gagné. Vas-y. Il y a pas assez de level pour lui. Et voilà. On a été contents de commenter toute la LANI. Merci d'avoir été là. Donc, ouais, merci à ceux qui nous ont suivis du début à la fin. Voilà. Ceux qui ont commenté dans la chatbox, ceux qui nous ont envoyé quelques petits messages. Voilà, qui nous ont encouragés. Ça nous a fait plaisir. Merci à Unique pour avoir streamé. Ouais, de rien. Avec quelques petits problèmes techniques. Désolé. Ouais, quelques problèmes techniques, mais rien de grave. Donc, en tout cas, voilà. Merci surtout de nous avoir suivis. Et puis bah, à bientôt pour d'autres streams et peut-être une landing 3. Qui sait. On vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Bonne.